deuxième jour du 21 Day Split Challenge. Bravo à toi d'avoir décidé de relever ce défi afin de devenir plus souple du bas du corps, étirer les ischios, les adducteurs, ouvrir un peu plus le bassin et peut-être effectuer le grand écart latéral. Pour cette séance-là, on aura besoin juste d'un tapis de yoga et de deux blocs de yoga qu'on pourra remplacer par des boîtes à chaussures vides. Pensez à vous échauffer avant de faire cette séance. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo de 10 minutes qui sert d'échauffement pour le bas du corps que vous pouvez faire avant cet étirement. Sinon, si vous êtes prêts, let's go! On va commencer sur le tapis. On va bien écarter les jambes et coller les plantes des pieds, les rapprocher ou les éloigner de l'intérieur des cuisses autant que possible et autant que confortable. On va venir rester là avec un dos bien droit. Donc on va mettre une petite pression, pousser les fesses sur le tapis. Essayez de prendre ses pieds avec les mains. Donc, rappelez-vous, le grand écart, c'est plutôt un marathon qu'un sprint. Il faut y aller doucement, il faut écouter et respecter son corps et ne pas se presser. Surtout, restez dans des positions de 5 à 10 respirations, ce qui va venir et donner du temps à ces muscles-là de se relâcher. Si vous êtes à l'aise là, je pense que vous pourriez rapprocher un peu plus les pieds et pousser les genoux vers le tapis en mettant une petite pression. Peut-être croiser les doigts et les mettre sous les pieds. Dos bien droit, inspire et à l'expiration, on essaye de pousser les genoux un peu plus. Alors dans ce mouvement-là, je vous conseille d'éviter de faire le papillon. Car là, ça va venir créer une résistance. Ici, on va venir plutôt les endurcir. Ce qu'on veut, c'est les relâcher et les ouvrir. Ça va venir travailler l'ouverture du bassin. Très bien. Et là, on peut relâcher. Écarter les jambes sur le côté. Garder les fesses bien sur le tapis. Et avancer un peu avec les mains. Dès que ça commence à serrer, on relâche ou peut-être on recule un peu et on essaye de poser les avant-bras sur le tapis ou le sol sans courber le dos. Si on n'arrive pas à mettre les avant-bras, on reste sur les mains. Rappelez-vous, on est dans les coups, on n'est pas pressé et on a encore 8 minutes à s'étirer. On remonte et là on va venir poser la main sur le genou, la main droite sur le genou droit ou le mollet et on va étirer le bras gauche vers le haut et à l'expiration on se penche vers la droite en regardant sous le bras. On va éviter de courber le dos, le dos bien droit, on regarde vers le haut, on respire. Et là, on change de l'autre côté. La main gauche sur le genou gauche ou le mollet gauche. Le bras droit tendu vers le haut. On regarde sous le bras et on se penche vers la gauche. À l'expiration, on revient vers le milieu. On ferme les jambes. On fléchit les genoux. On essaie de poser le ventre ou la poitrine sur les cuisses. Et là, doucement, on va venir glisser les talons vers le devant. Alors là, on ne voudrait pas avoir, on ne se concentre pas sur les jambes tendues, plutôt sur le dos droit. Après, doucement, on commencera à relâcher. Essayez de tendre les jambes un peu plus en gardant le dos droit, le regard vers le devant et pas vers le bas.
remonte et on change. On fléchit les genoux et on rapproche le pied le plus possible. Et là, on va venir mettre l'épaule droite à l'intérieur du genou. En premier lieu, on voudrait serrer le genou contre l'épaule et pas l'ouvrir. On garde le genou vers l'épaule, on essaye de rattraper son genou, mollet ou peut-être pied si notre flexibilité nous le permet. Rappelez-vous de garder le genou actif et on le ramène vers l'intérieur. Et là, on peut relâcher le genou, ramener le pied vers l'intérieur de la cuisse gauche et se pencher un peu plus sur la jambe gauche. Donc, je vais venir sur le côté, pour que vous puissiez voir, ça va donner ça. Ok, on remonte, on change, on fait la même chose de l'autre côté. Le pied plat sur le sol, on le rapproche le plus possible et on garde le genou vers l'épaule gauche. On essaye d'attraper la jambe droite, le genou, le mollet, la cheville, peut-être les orteils si on y arrive. Dos bien droit, on regarde vers le haut, on pousse les fesses sur le tapis. Et à l'expiration, peut-être on relâche vers le devant en gardant le genou gauche serré vers l'épaule. On relâche le pied à l'intérieur de la cuisse droite et là on se penche un peu plus vers la jambe droite. Une dernière respiration ici et à l'expiration. Doucement, on remonte et on vient sur les genoux. On va ramener la jambe droite, l'avancer et essayer de mettre le genou sur la cheville. Avoir cet alignement-là, les 90 degrés dans la jambe devant. On peut essayer aussi d'avoir les 90 degrés pour la jambe arrière, le pied aligné avec le genou. Et on va venir juste pousser le bassin vers le devant. Donc si on est à l'aise ici, on peut glisser le pied un peu vers le devant, reposer le genou sur la cheville, les mains sur le bassin ou bien sur un bloc pour être en équilibre. Et on pousse. Et là, on va venir sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse droite et aussi toute la cuisse gauche, le haut de la cuisse gauche. Expiration doucement, on remonte, on serre le ventre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On avance la jambe gauche, genou sur la cheville, les mains sur des blocs ou sur le bassin. Et à l'expiration, on pousse. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, on commence à remonter doucement, on serre le ventre, on ramène le poids, on revient, ramène le
pied droit devant. Là, on était. Genou sur la cheville. Et là, on va venir poser les mains sur le tapis, devant le pied, ou bien sur les blocs. Si on trouve qu'on commence à arranger le dos sur les blocs, inspiration. Et à l'expiration, doucement, on commence à décoller les orteils du pied qui est devant. Et pousser la hanche derrière en tendant la jambe devant, la jambe droite. On garde le dos droit et on respire. Et là, on est en half split. Ça, c'est le demi-grand écart latéral. Pour pouvoir effectuer le grand écart, il faut déjà être à l'aise ici. Et de là, doucement, je vous invite à glisser le talon devant en gardant le dos droit. Peut-être reculer un peu avec le pied derrière. Et c'est votre moment d'explorer un peu l'ouverture du bassin. Donc, on vient à une ouverture qui est plus ou moins à l'aise, mais pas trop. Vous voudrez défier un peu la hanche. Et on essaiera de rester là, 5 respirations aujourd'hui. On viendra augmenter le temps d'étirement petit à petit dans ce challenge. Sinon, si vous avez le temps, je vous invite à rester encore un peu plus. Essayez juste d'explorer les possibilités qu'il y a ici aujourd'hui. Et si vous êtes prêt, on passe à l'autre jambe. Donc, on ramène le pied, on le glisse derrière, on avance le pied gauche et la même chose. Les mains sur le tapis ou sur les blocs. Inspiration. À l'expiration, on décolle d'abord les orteils, on commence à tendre la jambe et on pousse la hanche derrière pour l'avoir alignée avec le genou. Donc, essayez de ne pas trop baisser la hanche. On garde la hanche haute et on va venir ressentir l'étirement dans les yeux, l'arrière de la jambe. Inspiration, expiration, on glisse devant et on explore notre flexibilité aujourd'hui. Bon. Rappelez-vous que ça prend du temps et il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas trop se mettre la pression. Plutôt essayer d'être persévérant, se fixer des objectifs et essayer de les garder. On appelle ça the art of showing up. Prendre un engagement et ne pas se trouver d'excuses quand il s'agit de le faire. Du 21 Day Split Challenge. Je te donne rendez-vous demain pour le troisième jour. Et d'ici là, keep on rocking.